Salut les amis, ici The Prof d'Orty. Aujourd'hui, on va voir la conception d'un hôtel à insectes. Alors, à quoi ça sert un hôtel à insectes? Déjà, ça peut se fabriquer de différentes manières. Il n'y a pas de plan type, hein, c'est vraiment ce qui vous vient par l'esprit. Et alors, l'hôtel à insectes va servir aux jardiniers pour accueillir des auxiliaires de culture ou alors des parasites, les deux. L'auxiliaire de culture va se débarrasser des parasites et les parasites, eux, vont servir de nourriture pour les auxiliaires de culture. Qu'est-ce qu'un auxiliaire de culture? C'est un insecte qui va nous aider à lutter contre une attaque de parasites sur, par exemple, la tomate ou alors sur une autre culture. L'aubergine, vous avez le puceron. On va faire en sorte d'accueillir, par exemple, des cires ou d'accueillir des coccinelles pour pouvoir lutter contre le puceron naturellement. Alors, ici, j'ai récupéré donc de la palette que j'ai découpée. Et je me suis amusé, j'ai fait ça en live, hein. Je me suis inspiré pour créer cet hôtel à insectes carré. Alors forcément, on ne va pas le laisser comme ça, à l'intérieur, on va remplir avec des matériaux. Donc ça, ce sera l'idée d'un autre topic. Mais aujourd'hui, donc, on s'intéresse à la conception de ce même hôtel à insectes. Voilà. Donc ici, je l'ai fait assez petit pour pouvoir le décorer avec les enfants. Mais on aurait pu le faire de 2 mètres, hein, 3 mètres, l'agrandir, le faire plus large. Ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est assez libre d'esprit. Alors, pour faire celui-ci, en matériaux, on va avoir besoin de différentes choses. Bah, forcément, une palette. Ici, tout est découpé. Alors, il nous faudra un bout de bois de 30 cm sur 10, voilà, et enfin, il nous faudra 10 coupes de 10 par 10, 10 carrés si vous préférez, voilà, donc ici tout est préparé, j'ai tout scié au préalable. Ensuite, vous aurez besoin donc forcément d'une petite lime pour venir limer, ou d'une ponceuse, vous aurez besoin d'une équerre, vous aurez besoin d'un crayon, vous aurez besoin d'un mètre, et vous aurez besoin donc d'une visseuse et d'une perceuse pour pouvoir faire les trous et les pré-trous et enfoncer les vis. En visserie, j'ai utilisé ici de la 3,5 30 ou 40, 35 pardon, donc qui est idéal, hein, donc au niveau perforation du bois, donc on va être quasiment sur la moitié de chaque côté. Voilà, donc là c'est parfait. Alors, au niveau de la conception, donc ça c'est le pilier central, voilà, qu'on va retrouver ici. Hop, donc il est là. Voilà. Ensuite, les petits cubes vont être créés, hein, voilà, de manière grossière. Hop, ici on est là, là on est là, et le dernier vient se mettre en façade. Voilà. On aurait pu le mettre intérieur, mais j'aurais dû retirer donc l'épaisseur x2 par rapport au dernier morceau qui viendrait se plaquer. Donc là, ici on a deux cubes d'un côté, ici, et ensuite on a le troisième cube qui vient se mettre ici. D'accord. Voilà, donc là je vais faire mes premiers pré-trous sur ma planche qui vont me permettre de fixer cela. Donc ici je vais avoir 1, 2, 3, 4 pré-trous ici en haut et 1, 2, 3, 4 pré-trous en bas. Voilà, ici mes 4 trous sont dessinés. Maintenant j'ai plus qu'à mettre mes vis et à pouvoir mettre ici mes deux côtés de chaque cube, en haut et en bas. Alors ici, on va mettre donc nos 4 vis. Alors j'aime bien les mettre avant. Voilà, dans ce cas-là ici c'est conseillé. Et ensuite, donc on va venir visser ici la 1 sur la 2. Donc là, on va faire une petite montée, ça va un peu mieux. Voilà. Alors on essaie de faire l'alignement au mieux, hein, sachant que donc c'est de la palette. Bon, c'est bien droit. Hop. Voilà. Hop. On va mettre le suivant. Je décale un petit peu. C'est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, donc, on termine par l'autre côté. Donc là, on met toujours donc les 4 vis.
Donc c'est de la vise-bois ici, on aurait pu clouer. Hein. C'est parce que j'ai plus de clous. Bois agrafé. J'ai une bonne agrafeuse pneumatique. Voilà, et donc là, on continue. La première. Et la deuxième. Voilà. Alors ici, donc j'ai la base du E qui est fait, d'accord. Donc toute cette partie-là. Maintenant, on va venir ici plaquer donc les dernières planches pour faire le cube en haut et en bas. Mais avant ça, on va faire des pré-trous. Alors le pré-trou, ça va éviter que le bois ne s'écarte. Comme on est ici sur du pin, c'est du bois déclassé pour des palettes. Si vous ne pré-percez pas et que vous avez une grosse tête de vis, ça va écarteler le bois et puis c'est à ce moment-là que vous allez les casser. Donc faites un pré-trou. Prenez le temps, hein, ça, il y en a pour 2 secondes, si vous avez 2 perceuses, 2 vis, ça c'est parfait. Voilà, je vous invite à le faire. Donc là, je vais faire les 4 trous. Voilà, alors une fois qu'on a fait nos 4 pré-trous, eh ben, on vient encore une fois donc remettre nos 4 vis hein, à tous les endroits. Donc, 1. Alors c'est un gain de temps pour la fixation, hein. En plus si vous êtes tout seul... ça peut vous aider sur pas mal d'autres choses. Voilà. Donc je vais faire le premier. Alors là, ça vient comme ça. Alors vous allez voir, des fois, il faut redresser un peu. Ça vous doit. Hein. Là, ici, on est bon. Mince. Voilà, donc là le premier est fait, les 4 vis pour l'autre maintenant. Voilà. Hop. Là voilà, j'ai ma première base qui est faite, hop, mon premier cube, hein. Donc là je pourrais venir même donc le mettre par au-dessus, hein. il y a différentes choses, faire une sorte de comment ça s'appelle, une petite structure, hein. Ça pourrait être sympa, remettre par-dessus, bon après voilà, c'est les deux mêmes capés, donc ça pourrait venir même s'emboîter, là. J'ai un petit peu de jeu, mais en rabotant bien, ça doit passer. Donc là maintenant on va faire l'autre côté. Alors ici la petite astuce c'est de percer et on va venir mettre là la vis en biais. Donc là j'ai 2 trous ici à faire, 2 trous ici à faire également. Donc, alors voilà, donc là ici j'ai mes 2 trous de fait. Maintenant on va mettre la vis en biais, d'accord. Je rappelle hein, c'est pour ne pas qu'on la voit de l'autre côté, elle devrait dépasser légèrement sinon. Donc là la première, hop, et la deuxième. Voilà. Alors, je vous conseille, c'est de la mettre plutôt à l'intérieur pour la première. Au moins, c'est pas visible. Bien que ça sera au-dessus, ça se verra pas. Mais c'est peut-être conseillé. Voilà. Donc, on fait attention à l'alignement. Donc, c'est pas trop trop mal. Voilà la première. Et la deuxième. Voilà. Et donc, je fais la même chose pour les deux autres. Voilà, donc là, ça va aller vite aussi. Hop.
Et là, la même chose aussi, l'alignement. Hop. Ça a l'air pas mal. Voilà. Et enfin, donc là ici, elle va rentrer à l'intérieur, celle-là. Découper en supprimant 1 cm pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la visser. Alors ici, bah, je vais m'aider de ça, ce sera plus simple. Merci, je fais des bêtises, ça va pas le faire. Voilà. Alors attention aux échardes, hein. Surtout avec du bois comme ça. Hop. Alors, les pré-trous ont été faits. Voilà. Et on va finir donc par les deux autres. Donc là, ça y est, on a fini donc notre hôtel insecte donc sur la structure. Par contre, maintenant, on va devoir le remplir. Donc ça, ce sera sur le prochain topic de The Prof d'Orty. C'était la construction d'un hôtel insecte. Je vous remercie bien, passez une bonne après-midi. À la prochaine.